Un nouveau scandale dans le paysage agroalimentaire européen. Une toxine cancérigène a été retrouvée en quantité excessive dans du maïs de fourrage livré à plus de 3500 exploitations agricoles allemandes qui l'utilisent pour nourrir les bovins. Ce sont près de 10 000 tonnes de maïs contaminés provenant de Serbie qui ont été livrées à 13 producteurs de fourrage de l'État régional de Basse-Saxe dans le nord du pays, qui ont eux-mêmes livré des exploitations agricoles de plusieurs États du nord de l'Allemagne. Mais le ministre régional de l'Agriculture se veut rassurant. Ces substances toxiques cancérigènes peuvent provoquer des cancers. Elles ne devraient en aucun cas être présentes dans la nourriture. Mais il semblerait que grâce au système efficace de contrôle du lait, le problème ait été pris à temps. Pour le ministère, donc, inutile de s'affoler, car le lait éventuellement contaminé est mélangé avec d'autres laits. Et le taux d'aflatoxine B1, la substance incriminée, est contrôlé régulièrement.